Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Did Effect. Je crois que la dernière fois, nous sommes arrêtés au boss numéro 1, je crois. C'est Razor. Bon, là, je suis actuellement dessus. J'ai dû entrer dans la pièce. Alors, voilà. On va passer à l'action. On va commencer. Voilà. J'ai dû le. Voilà. Bon, je vous le dis, il va pas être simple. Je me recule. Wow. Bon, un boss assez facile. Oh là. Wow. Bon, ça je trouve c'est plus efficace. Plus qu'un coup. Voilà, on l'a eu. Bon, assez facile, hein, moi je dirais. Là, U-grade. Oh, on a récupéré un truc assez intéressant. Bon, à première vue, je vais me soigner. Voilà. Bon, là, on va aller là. Parce qu'il le faut. Encore ces saletés de pub qui ne servent à rien. Voilà. Bon. Oh. J'ai jamais amélioré la mitraillette, moi. Enfin bon. Voyons voir. 45 000. Je pense que je vais améliorer. Putain, c'est. Qu'est-ce que c'est cher. De toute façon, on va améliorer un check. Voilà, parfait. Ce chien pote. Bon, allez, on continue la mission. On a amélioré le niveau 1 de la mitraillette. Ah. On atterrit. Volume il est à fond. Oh là. Parfait. Bon. Ok. Bon. Avant que je parte, j'ai pas eu le temps de fouiller les environs du labo. C'est ce qu'on va faire. Bon, je vous le dis, en normal, le jeu il est pas difficile du tout. Franchement. Après, j'ai pas. Comment dire, j'ai bégayé là. Je veux dire, j'ai jamais eu le J'ai jamais fait le. Oh là 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 là, j'ai tout souvent des trous de mémoire là, c'est. Comment dire le mot là? Ah oui, d'établir un niveau supérieur de difficulté du jeu. Oui, c'est un gros mot, je viens de dire. Bon, enfin bref, alors. Oula! Il faut un code. Il faut un code. Et comment fait-on pour avoir ce code? Bonne question. Alors, on va se débrouiller. Faut que je cherche. Alors, faudrait que je cherche. Aïe. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je sais même pas comment faire. Je m'en rappelle même plus. Je l'ai fini le jeu, mais il y a assez longtemps maintenant. Et je m'en rappelle plus. Ah bah voilà. Ok. Vous savez, hein. Oh, toi, pas si vite.
Alors, nous avons là. On va aller là, tiens. Ici, c'est pas une pièce importante, donc il peut se cacher des choses. Donc, on va voir toutes les armoires. Ok. De l'argent. Je prends. Et là. Ah, un document. Toujours bon à prendre. 1 sur 5. Des balles de fusil d'assaut. Je prends également. Je trouve qu'on n'a plus rien à faire ici. Hop, on s'est remis à niveau. On peut re-y aller en mission. Alors, tac, tac, tac. Y a rien qui se cache. Qu'est-ce que c'est par terre? Ammo. Ammo is full. Le chargeur du pistolet est au maximum. Il y en a un qui s'est fait bouffer. Ouh là là! Lui il a un peu. Oh putain, merde, merde! Ok. Ok. Bon. Balle de pistolet, j'ai déjà. Tac, 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 tac. Allez, on continue. On continue, on continue. Oh là là. Bâtard. Enfoiré. Héros comme toi. Voilà. J'aime bien ce truc-là parce que en un coup ils sont morts. Ça c'est vraiment très très utile. Pour l'instant on va fouiller là. Avant qu'on parte. Et là qu'est-ce que c'est? Toujours bon à y aller aussi. Il y a rien, il y a pas de petit. Ok, il y a que dalle. Tac. Ah bah tiens, regardez. Hop. Le premier 1 sur 3. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va profiter pour y aller. On va aller à l'étage avant de passer à une porte suivante. Déjà, la mission, je pense que elle sera l'épisode, il sera beaucoup, beaucoup, enfin, un peu plus long. Salut toi. Oh putain! Oh putain, le sonnerre! Alors là, lui. Ah, il m'a fait peur, lui. Oh quel con! À chaque fois, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi en tout cas je ne l'ai pas vu. Ah vous savez, putain, putain, j'aime pas qu'on fait ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Alors, comment on va faire? Comment on fait? Ah d'accord, comme ça, et le dernier c'est celui-ci. Ah, nous avons enfin le code, c'est 454. Je le retiens dans un côté de ma mémoire. Ok, ah bah tiens, armoire. Je suis prenant. Ok. 1 700 $. Ok, on descend. On y va. Alors, il y a, je pense, je crois qu'il y a une porte là. Bah viens. Ah non, c'est là-bas, je crois. Ah oui, non, c'est pas là, je crois. Bah non, je m'en doutais. Bah, il faut aller où? Ah, c'est la merde. Ah bah, je suis bête. Là. Ok. Oh putain. Un gold bar. Oh, comme toi. Satané de zombie. Ah, et ça me gratte. 2 200 $. C'est plutôt bon. On va hacker le système. Allez, on hack.
Alors c'est lui, après c'est lui, et après c'est... Oh mince! Je me suis trompé, lui. Lui. Et lui. 751. Ok, je retiens. Return to Autox Center. Ok, pour l'instant, avant d'y aller, on va se recharger de vie. On va la remettre au maximum. Ok, allez, on y retourne. Mince. D'abord, je prends l'argent qui est là. C'est toujours ça de prix. 1 800 $. Ok. Avance. Oh là là, des fois ça dure. Ok. 1 300 $. Vous savez, les 20 000 j'ai utilisé peut-être pour améliorer mon argent, j'ai peut-être utilisé plus de 20 000 $. Bon, on les a récupérés en moins de 2. Ce qui est plutôt pas mal. Ok, là il n'y a pas de zombies. 900 $. Allez. Bon, un peu plus dur à ouvrir celle-là. Et. Pff, ouais. C'est de la merde. Et là. Ah, ça je suis prenant. Là, on va y aller parce que je crois que. Ouais, la porte. Ouais, ok. Coucou toi. Lui. Oh putain de merde. Headshot. Ça va, je m'en sors plutôt bien. Ok, bon. Armoire. Faisons vite parce que j'ai pas vérifié. 1 400 $. Ok, je prends. Ok, bon, ça va, y a pas de zombies. Ok. Je prends. Alors, nous avons. Alors, tac, tac, tac. Ah! Je prends aussi là. On va pas y aller tout de suite là. On va déjà. Oh, pourquoi il a tiré? Attendez. Pourquoi il a tiré là? Ça tire pas comme ça au... du hasard. Enfin, bon. 2 000 $. Ok. Complete. Ok. Open. Ok. Et là, qu'est-ce que nous avons en face? Je voudrais voir si on a été en haut. Juste par simple curiosité. Ça vous dit quelque chose ici, les amis? Moi non. Y a tellement de choses. Bah, si, je crois. Bah oui. Bah si. Bah si, on a déjà été. Bon, ok, parfait. Bon, pas, je vais pas me faire chier. Je vais passer par ici. Thug Life. Ok, bon. Là, ça m'embête un peu. Bah, retourne là, ouais. Pas plus bête que ça. On retourne en bas. Oui, l'épisode il sera beaucoup plus long que d'habitude. Là, c'est quoi? C'est fermé. Et comment on passe là? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Je suis venu d'où? Mince. Et c'est déjà si je joue comme ça. Voilà. Ah bah voilà, pas plus bête. Bah lui, il a la dalle. Pro
profitez de votre dernier repas, les gars. Oh putain, il y a du monde. Toi, t'es tombé sec comme une merde. Vous en faites pas, je l'ai vu. Ok. Je suis prenant, je prends de l'argent. 4 100 $, mais c'est bon tout ça. Je suis preneur. Bah voilà. Oh, tot tot tot. Y'a rien par terre, non. Allez, on y va. Ah, la mission elle est assez longue quand même. Hein. Je crois que c'est une des plus longues, à mon avis. Ok, une balle, t'es mort. On voit la porte qui est ici. Excellent. 1 200 $. Passons par ici. Bypass. Toi, bouge de là. Oh putain. Et où? Il est résistant, hein. Oh là là. Bah, ah, on connaît cette salle. Bon, assez de perdu de temps. On recharge tout. Oh, il y en a encore là, des zombies. Ok, bon. On va devoir aller ici. 751. Parfait. Je crois qu'on a un deuxième bypass. C'est 454. Tac. Allez, on y va. Et voilà. La mission est terminée, les amis. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.